Thierry, un petit tour comme tu les aimes. Je sais que tu aimes bien ces effets de mentalisme. Allez. Alors, c'est un petit peu différent de tous les tours de cartes qu'on voit, puisque là, ce n'est pas des signes USP ni des cartes normales, mais ce sont des signes astrologiques. Donc j'ai les 12 signes astrologiques. Alors j'en ai pas 12, hein, j'en ai 24, puisque j'ai deux séries complètement identiques. D'accord? Ok. Et donc l'idée, c'est que je vais choisir un signe dans ces cartes-là. Alors, je vais juste les séparer, je vais les compter d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avant que je m'embrouille. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, elles sont dans le même ordre. C'est bon. Donc, tu peux vérifier, mais vraiment attentivement. Bélier, bélier, verseau, verseau, taureau, taureau, capricorne, sagittaire, balance, scorpion, scorpion, vierge, vierge, lion, lion, cancer, cancer, gémeaux, gémeaux, poisson, poisson. D'accord? Donc, ils sont peut-être pas dans l'ordre, enfin, sûrement pas d'ailleurs dans l'ordre chronologique des mois, mais on a les 12 signes. Donc, pour récapituler ce que je vais faire, j'ai deux séries de signes complètement identiques. Pas une de plus, pas une de moins. Et je vais essayer, moi, de prévoir ce qui va se passer. Et pour ça, je vais choisir un signe. Pour l'instant, toi, tu ne choisis rien. Et on va faire ça comme ça. Alors, je vais te demander juste de penser à un signe, n'importe lequel. Mais tu me dis rien, juste y pense. D'accord? Mental. Mentalement. Alors, un signe astrologique, bien sûr, hein. Tu peux penser le tien, mais c'est sûr que que les gens vont dire que je connais ta date de naissance. Allez, je vais prendre celui-là. Je vais en prendre un. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, je vais mettre ça sur le côté. Et ça, je vais le cacher sous le petit foulard ici, de façon, hop, ce qu'on ne voit pas, là ici. Ok? Donc, un symbole, un signe de là. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Hop, ça sera mieux pour tout à l'heure. Et mes 12 autres signes. Je vais les cacher également, ces signes-là, parce que je vais les sortir dans un ordre bien aléatoire. C'est-à-dire, oui, tu peux regarder, d'accord? Pourquoi je les cache? Parce que je vais les sortir un par un, donc tu pourras me dire soit vraiment quand tu veux, autant sur le premier que sur le dernier. Mais pour pas que je t'influence sur la carte qui va sortir par la suite, je ne veux pas que tu les vois, d'accord? Ça sera la surprise totale. Donc je vais les sortir dans un ordre totalement aléatoire. Donc ma carte, elle peut sortir en premier, en dernier, Ah ben si à n'importe quel tu veux moment. choisir, je dis n'importe quoi, elle est Capricorne et que moi elle était en deuxième, si je la sors en cinquième, tu pourras dire stop en cinquième, d'accord? Ok? T'es prêt? Allez. Allez, ok, on y va. Hop, allez. Premier signe, Bélier. Non. Non? Celui-là. Verseau. Non plus. Non plus? C'est pas celui que j'ai choisi. Non, je veux pas savoir. Je le saurai que quand tu me diras stop. Taureau. Non. Non, Non? non, Ok, c'est pas je crois que celui-là. tu m'as dit stop. Capricorne. Non plus. Sagittaire. Oh, moustique. J'avais pris Sagittaire. Est-ce que je peux changer? Ah oui, si tu veux, oui, bien sûr. Ça change rien ta Ah, ça ne prédiction. change rien, ma prédiction, elle est faite là depuis le départ. Donc Si tu as envie de changer, on change. t'avais prévu que j'allais changer? C'est ça? Ah ben ça je peux pas te dire, mais on va voir à la fin. Je vais pas prendre Sagittaire quand même. Ah si tu veux, oui. Non, allez, on continue. Je continue? Je vais changer. De toute façon, t'as le choix encore, il t'en reste au moins 6. Balance. Balance. Non, Non. ça c'est mon signe, donc c'est Ok. facile. Scorpion. Non. Non. Vierge. Ouais, je vais prendre Vierge. Vierge? Ouais. Sûr? Oui, c'est la Vierge, c'est bon. Pas une de plus, pas une de Non, moins. On c'est bon. s'arrête sur Vierge? Allez. Je la mets ici pour le moment. D'accord? Mes autres cartes. Poisson. T'aurais pu t'arrêter sur Gémeaux. T'aurais pu t'arrêter sur Cancer. T'aurais pu t'arrêter sur Lion. Et t'as choisi Vierge. Je vais cacher ma prédiction ici. Donc sur les 12 symboles astrologiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tu as choisi Vierge. Tu aurais pu t'arrêter sur n'importe lequel. Tous ces signes sont différents comme tu peux le constater. Il y en a 12, tu t'es arrêté sur Vierge. Et ce qui est fou, c'est que pour la première fois, Thierry, de ce paquet-là, j'avais choisi un seul symbole. Un seul signe astrologique. Je peux soulever. Et tu peux soulever, ça va t'énerver. Parce que Ah, c'était bien. également
Vierge. Bizarre ça, non? Comment c'est possible que j'arrive à savoir le signe que tu as choisi? Et Thierry, t'as pas osé le faire, mais tu peux déplier parce que j'ai aucun signe à l'intérieur. Je cherche un truc, j'ai pas d'idée, mais... Comment c'est possible que je savais que t'allais choisir exactement le même symbole? Bizarre ça, hein? Ouais, ça j'aime. Beaucoup, beaucoup. Voilà, ça change un peu des tours, ça reste du mentalisme, mais au lieu que ça soit fait avec des cartes, souvent on a l'habitude... Ouais, c'est joli, ça fait une belle carte, une belle impression. Et est-ce que ça peut changer si tu le refais? Est-ce que ça sera toujours vierge? Ah non, ben non, puisque le but du jeu, c'est que n'importe quel signe peut être choisi. Donc si t'avais décidé de choisir poisson, eh ben peut-être que... Enfin là, en l'occurrence, ça aurait pas marché, puisque j'avais choisi vierge. Mais d'accord. Effectivement, si on le refait, n'importe quel symbole peut être choisi. Ça change. Ah, tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Il n'y a aucun forçage, aucun comptage, aucun forçage psychologique, aucune technique particulière. C'est du automatique, hein, c'est ce qu'on appelle un tour automatique. Mais c'est assez bluffant parce qu'on se demande comment c'est faisable. 100%. À 100%. Tu peux pas, ça ne peut pas louper. Non, ça ne peut pas louper. Impossible. Alors ça, j'aime. Voilà. Merci, donc c'est un petit peu différent de tout ce qui est tour ESP. Ça change un petit peu. C'est des symboles que tout le monde connaît et c'est assez joli. Donc voilà. Voilà, voilà. Derrière, il y a un lion. Oui, on a mis les symboles qui correspondent à ça. D'ailleurs, si je vous cache ça, c'est vrai qu'on ne sait pas que c'est vierge. En les apprenant, du coup, vous savez que balance, ça va être le signe de la balance. Le scorpion, c'est un vrai scorpion. Que le sagittaire, par exemple... C'est ce genre de, qu'on appelle ça là, de mec qui tire à l'arc, c'est un nom d'ailleurs bien spécifique. Poisson, donc voilà. Lion. Donc ça vous n'êtes pas obligé de les apprendre, hein, parce que même moi je ne connais pas l'ordre d'ailleurs des mois par cœur. Mais voilà, mais en tout cas ça reste un bon tour et si vous mettez une belle ambiance derrière, ça fait un tour qui est vraiment très très joli, très sympa et en plus... Original. Original. Merci Jérôme. À vous jouer.